Bonjour, vous venez pour quoi? Vous voulez savoir si ça va aller financièrement? Ouais, bah déjà, quand on se pose la question, c'est qu'en général, on a la réponse. Hein? Vous appelez comment? Séverine. Ouais, raison de plus. Wow, ah bah la carte, déjà, elle est partie à l'autre bout de la planète. En général, quand elle part comme ça, c'est que c'est pas bon. Vous êtes né quand? Le 6 février 78. D'accord. 6 février 78. Oh, bah tout le jeu y est passé, là. Alors, tac, 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 on va prendre les cartes tournées, hein. On va suivre l'instinct des cartes. Les cartes ne mentent jamais. Voilà. Alors, l'impératrice, la tour, le diable. Là, en général, quand il y a le diable, c'est pas bon. Parce que, donc là, dans votre situation, le diable veut dire qu'il y a quelqu'un qui veut absolument votre pognon, qui veut mettre la main dessus. Je sais pas qui c'est, mais on va bientôt le savoir. Voilà, la tour. Ça veut dire qu'il y a un effondrement dans votre vie. Il y a quelque chose qui est en train de s'effondrer. Quelque chose me dit que c'est votre compte bancaire. Voilà. Le fou. Ça veut dire qu'il y a un fou autour de vous qui essaye de vous perturber. À tous les coups, c'est votre banquier qui va vous programmer un prochain rendez-vous pour parler de vos comptes. Parce que ça va pas du tout, du tout, du tout en ce moment. Hein. Bon, si j'étais vous, je n'irais pas à mon prochain rendez-vous organisé par mon banquier. Si vous voyez ce que je veux dire. Bon. Alors, et puis là, on a quoi? La tempérance. Faut tempérer un petit peu, faut y aller mollo sur les comptes bancaires, d'accord? Hein? Faut pas tout bouffer, hein? Dans les conneries, les cochonneries, les machins comme ça. Ok? Bon, super. Voilà pour ce tirage. 150 balles en liquide. On prend pas l'échec. Bonjour madame, vous venez pour savoir si ça va s'arranger dans votre couple? Eh bien, bien sûr. Vous vous appelez comment? Magali. Ben, c'est un joli prénom, Magali, c'est bien. Alors Magali, est-ce que ça va s'arranger dans votre couple? Le pendu, ça veut dire que votre relation en ce moment-là, c'est compliqué. Voilà, vous êtes pendu par la tête, par les pieds, par tout ce que vous voulez. Ou alors qu'il y a quelqu'un de votre famille qui va se pendre. Bon, en l'occurrence, votre conjoint. Voilà, allez, on va refaire un deuxième tirage. Oh, oh là là, bah décidément. Allez, on refait la fin du tirage. Oh, ça veut pas. Quand ça veut pas, en général, si c'est pas bon. Alors, Magali, est-ce que son couple, ça va aller? On termine le tirage. Hop là. Le magicien, bah oui, bah je suis pas magicienne en fait, ça veut dire. Hein. Ça veut dire que je suis pas magicienne, toi non plus d'ailleurs. Bah, vous non plus, Magali, excusez-moi. Ça veut dire que votre mec là, il est en train de se barrer avec une autre, hein, puis vous êtes pas magicienne, d'accord? Soit vous le quittez et c'est tant mieux pour vous, tout va s'arranger, soit vous êtes cocu et puis vous faites la sourde d'oreille et puis voilà, tout simplement, vous ignorez, hein? Vous faites ce que vous voulez. En tout cas, je donne pas cher à votre couple et c'est pas moi qui le dis, hein? C'est pas moi qui le dis, Magali, c'est les cartes. Je ne fais qu'interpréter les cartes, moi. Bon. En tout cas, quoi qu'il advienne, 180 en espèces. Comment ça, la dernière fois, c'était 150? Oui, mais là, c'est 180. Le couple, c'est plus cher. Bon, allez. Bonjour, monsieur. Attendez deux petites secondes. Avant ça, je vais mettre un petit coup de bol tibétain parce que... Vous sentez? Est-ce que vous sentez? Vous sentez? Ça sent le connard. Bon. Hein? À mon avis, vous n'êtes pas un ange. Bon. On respire les ondes positives. Voilà, allez, ça suffit. Vous venez pourquoi vous? Pour savoir si vous devez lui dire la vérité. À tous les coups, c'est à sa femme. C'est à qui la vérité? À votre femme. Tiens, voilà, bingo. En plein dedans. De toute façon, je m'en doutais. Hein. J'ai le flair pour détecter les connards. Voilà. Bon, comment vous appelez? Patrick. Patrick. Voilà. Vous êtes né quand, Patrick? Le 26 juin? Le 26 juin? Eh ben c'est votre anniversaire! Bon anniversaire, Patrick! Allez, c'est parti! On me laisse interpréter les cartes, hein? Ah! Elle est tombée! Alors Patrick, là le jeu de cartes il me dit honnêtement, alors que vous êtes un con, ça, mais je l'avais deviné, oui il faut avouer à votre femme, car sinon vous allez aller en enfer. Voilà Patrick, le jeu de cartes parle de lui-même, donc voilà c'était tout Patrick, ok très bien, 350 s'il vous plaît. Ouais d'habitude c'est 150, mais quand c'est des clients qui trompent leur femme, c'est 350. Et si ça vous pose un problème, c'est pareil. Non, je prends pas les chèques, remballez votre chéquier. La maison ne fait pas crédit. Voilà. Bonjour madame, vous voulez savoir quoi?
Si ça va au niveau de la santé. Ouais, d'accord. Bon, vous appelez comment? Stéphanie. Tiens, Stéphanie. Enchantée, Stéphanie. Alors, Stéphanie, quelle date? Pourquoi elle me dit 26 juin? Non, je te demande pas la date d'aujourd'hui, bourrique. Je te demande ta date de naissance. Allez, on se dépêche. Date de naissance. Elle connaît pas sa date de naissance, misérable. Elle va peut-être regarder sur ta carte d'identité. Ça commence bien. Allez, Stéphanie, j'ai pas ton temps. Quel âge? T'es des camps? Le 8 janvier 69. Merci, Stéphanie. Alors, Stéphanie. Oh, sous ces cartes. Eh ben, tiens. Le jeu de cartes qui m'a pété à la gueule encore. Alors, Stéphanie, bon. Je me concentre. Celle-là. Ah, vous allez mourir dans 2 semaines. La mort. Ah oui, mais Stéphanie, vous pleurez, mais moi j'y peux rien, je ne fais que lire les cartes. Hein, c'est à vous d'interpréter. Bon, écoutez, je veux bien vous en tirer une nouvelle pour voir si vous n'avez pas des chances de vous en sortir, mais sincèrement. C'est elle. La tour. L'effondrement. L'effondrement de votre vie. Mais écoutez, moi j'ai pas d'autres, je suis désolé, j'ai pas d'autres cartes à tirer. La mort, l'effondrement. Voilà, désolé. Désolé, désolé. Ça vous fera 400 euros à vous. Quand c'est la santé, c'est 400 euros. Au lieu de le donner aux petits-enfants ou aux enfants, hein, vaut mieux le donner à moi. Vous avez des enfants, Stéphanie? Oui, vous en avez. Oh, bah faudra leur dire au revoir. Bah oui. Hein. Si vous pouviez me mettre sur l'héritage, moi je dis ça, tu viens. Allez, trêve de plaisanterie. 400, s'il vous plaît. Au revoir, Stéphanie. Belle continuation. Pardon, excusez-moi. Bon, allez. Fin des consultations aujourd'hui sur les ras-le-bol. Au revoir tout le monde, à bientôt. Hey, vous derrière la vidéo, donnez voir de l'argent là. Hein, vous avez regardé mon tirage. Allez, vous posez 50 balles, cash en liquide. Je prends pas de chèque ni de carte bleue. Allez, au revoir tout le monde et bonjour chez vous.